Bonjour vous. Donc aujourd'hui, on va voir l'obligation de porter secours. C'est un texte qui n'est pas très adapté, pas très connu malheureusement par les avocats. Donc on va imaginer quelqu'un qui est blessé au bord de la route et puis il y a quelqu'un qui arrive, un passant, et ça tombe bien, il est médecin. Il dit en fait, je suis médecin, c'est vrai, mais je suis médecin étranger. Je suis un touriste de passage en France et je n'ai pas le droit d'exercer la médecine en France. Alors en théorie, c'est vrai. Et ce qu'il va dire, il va dire, ben, je m'en vais. Et le mec va partir. Donc c'est choquant. On va prendre notre cas de figure. Ce n'est plus un touriste étranger. On va prendre un médecin français conventionné de secteur 2. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui dépasse les honoraires de la sécurité sociale. Et qui se fait payer plus cher. Donc ça, il y a des médecins, ils ont ce droit-là de se faire payer plus cher que ça. Donc il voit l'accident, il dit, je suis conventionné, je suis plus cher que la sécurité sociale. Si j'ai aidé cet homme, je ne suis pas sûr qu'il me paierait les dépassements d'honoraires. Il doit donc attendre de se faire soigner par quelqu'un d'autre. Et donc le mec, il s'en va. C'est-à-dire qu'il dit, ah non, non, il y a un blessé au bord de la route, mais moi je vais pas l'aider parce que je suis plus cher. Et je ne l'aide pas. Mais c'est dingue, c'est choquant. Donc, pour éviter ces situations absurdes, choquantes et dramatiques, on a créé l'obligation de porter secours. Et pour ceux qui ne remplissent pas cette situation, il y a des peines d'amende et des peines de prison. C'est la fameuse non-assistance à personne en danger. Le but de ça n'est pas de punir les gens qui n'aident pas, mais plutôt leur dire, vous avez une obligation légale d'aider quand vous voyez un blessé au bord de la route ou quelqu'un d'autre qui a besoin d'une aide. On va voir quelle personne. Vous avez l'obligation de tout faire. Voilà. Il s'agit de l'article 223-6 du code pénal. Il y a deux alinéas qui sont des paragraphes qui sont intéressants. Le premier, qui est empêché par son action immédiate, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne qui s'abstient de le faire, il est puni de 5 ans de prison et d'une amende. Donc là, par exemple, le médecin étranger est puni, il est coupable du délit de refus d'assistance. C'est la déclaration du juge. Le médecin qui voulait se faire payer plus cher, il est coupable du délit de refus d'assistance, lui également. Il y avait deux situations. La première, c'était celle des personnes qui sont victimes d'un crime ou d'un délit. Et la deuxième, c'est celle des gens qui sont donc victimes d'un accident, de quelque chose qui est en cours, qui est très grave. C'est-à-dire, on appelle ça le péril imminent. Nous allons voir le cas, ben, quelqu'un qui n'est pas médecin, qui passe à côté de l'accident. Il dit, je ne suis pas médecin, mais je dois aider lorsque je vois une personne blessée ou en danger. C'est exact. J'appelle les secours. Et puis je m'en vais. Là aussi, c'est les deux premiers sont bons. Mais non, il ne faut pas partir. Il doit rester et attendre que la personne blessée soit prise en charge par les secours. Si par exemple, il appelle l'ambulance, mais il n'y a aucune ambulance qui vient, et ben 5 minutes après ou 10 minutes après, il rappelle jusqu'à ce que les médecins viennent. Voilà, il faut constater que les secours effectifs sont bien là. Par exemple, on peut imaginer, il va être en retard pour son travail. Donc, il appelle son patron, il dit, il y a eu un accident sur la route, j'attends les secours, j'aurai du retard au travail. Et le patron lui dit, bon, alors déjà, il sait pas ce que lui raconte l'autre, c'est quoi cette histoire? Non, non, tu viens de travailler. Et l'autre qui a obéi, ok, patron, j'arrive. Et il s'en va. Eh bien, il va être coupable lui aussi, parce qu'il a écouté son chef au lieu d'écouter la justice. On n'écoute pas le chef, on doit écouter la loi qui oblige à aider. Alors, autre cas de figure, une personne qui est en train de se noyer. Là, cette fois-ci, celui qui se noie, il voit que la personne qui passe ne va pas l'aider. Il regarde, mais il semble pas vouloir l'aider. Malheureusement, tout le monde n'aide pas en cas de danger. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette loi. Et donc, le noyé, c'est la personne qui se noie, va l'insulter, va lui dire, Eh oh, connard, aide-moi. Et l'autre, qui n'a pas envie d'aider, au fond de lui-même, il n'a pas envie, mais il va se servir de prétexte. Ah non, si tu m'insultes, je ne t'aide pas. Et je te laisse mourir et te noyer. Donc, ce n'est pas bon. Ça, c'est choquant. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un vous insulte, il vous dit connard, qu'il faut le laisser mourir. C'est très grave. Donc, la personne est coupable, la loi est stricte, on doit aider la personne en danger. On peut imaginer un autre cas de figure, c'est deux personnes qui se disputent, donc elles ne sont pas amies, elles se disputent, l'une des deux pousse l'autre à l'eau, et l'autre qui voit qu'il va se noyer, son propre ennemi qui l'a poussé à l'eau.
mais qui voit, mince, j'ai exagéré. L'autre, moi, je voulais le frapper, mais je veux pas qu'il se noie, je veux pas le tuer. C'est même pas une question de loi, c'est juste une question de logique. C'est-à-dire qu'on veut donner une leçon à quelqu'un, mais pas au point de le tuer, pas au point de le mettre en danger gravement. Et ben, donc, son ennemi va quand même dire, oh là, tu te noies, je prends une bouée, je t'aide. Je te jette la bouée à l'eau, tu vas te sauver. Voilà. Et là, cette personne, elle agit conformément à l'aide à apporter. On va retrouver cet exemple même, par exemple, avec des avocats quand ils vont défendre une affaire ou quand certains vont mentir. C'est-à-dire, un avocat de la partie adverse ne doit pas mentir ou ne doit pas faire accuser à tort un innocent ou quelqu'un qui est victime. L'avocat de la partie adverse doit avoir le même raisonnement que cette personne, là, soi-disant ennemi, qui va quand même jeter la bouée, et doit l'aider. Le code de déontologie de RIN, R-I-N, des avocats, interdit aussi de présenter des faux arguments au juge. Mais il y a des avocats qui sont pourris et qui font n'importe quoi. Voilà. Donc, nous avons vu là qu'il y a deux cadres d'assistance obligatoires. C'est les deux premiers paragraphes que j'ai pointés en bleu. Donc, soit un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne quand c'est un délit, et soit un crime en général, il faut éviter n'importe quel crime. Le crime, c'est tout ce qui est puni de plus de 10 ans de prison, 15 ans et plus. Par contre, un délit, c'est une bagarre, etc. Ce n'est qu'une agression, ce n'est qu'un délit. Un harcèlement, c'est un délit. Et le deuxième cas de figure, c'est quand une personne est en péril. Donc le péril, c'est tout de suite, elle va mourir. C'est le cas de la noyade, le cas de l'accident de la route. Alors maintenant, on va prendre le cas d'un délit, par exemple. Je vais employer des mots qui vont être au regard de la loi et non pas de la triste situation des victimes. C'est-à-dire que mon but n'est pas de choquer, mais d'expliquer que la loi n'est pas toujours une logique humaine et compréhensive. Donc il va y avoir ce décalage avec lequel je n'adhère pas forcément, mais c'est pour expliquer la loi. Donc là, nous avons le cas d'une femme qui se fait agresser, qui appelle au secours. Et puis par hasard, il y a un policier qui passe par là et qui lui fait « Ah, ma petite dame, vous n'avez pas de chance ?» Je viens juste de terminer mon service et je rentre chez moi, je vais me changer. Donc ça, c'est un peu aberrant. Et il rajoute, passez me voir dès demain au commissariat, j'enregistrerai votre plainte. Donc il y a des gens qui peuvent faire comme ça, qui disent, ah ben non, mais là, je peux pas vous aider. C'était un peu le message que je disais en avertissement tout à l'heure. Je veux pas choquer, mais ce type de situation peut exister dans des circonstances qui sont parallèles ou qui sont similaires. Nous devons faire un peu de psychologie facile. Comprenez bien, je m'adresse à ceux qui sont victimes. Celui qui ne vous aide pas lorsque vous en avez le plus besoin, il a très peu de probabilité de vous aider plus tard. Ne perdez pas votre temps avec lui. Alors, ne confondons pas un état de détresse actuel avec ce qu'on appelle la justice. Ça aussi, c'est le point auquel je souhaite insister. C'est-à-dire que même si ce sont les mêmes personnes qui interviennent, des policiers, là on vient de le voir, le policier qui dit « portez plainte demain », ou des magistrats, etc., il ne faut pas confondre ces deux états-là. Donc la détresse, c'est une chose, et la justice, c'est malheureusement une chose parfois différente. Donc on va prendre un dialogue surréaliste. Par exemple, parce que là, je souhaite insister pour les personnes qui sont victimes en cours. Pas les personnes qui sont victimes, qui ont été victimes avant. C'est-à-dire, j'ai cité le cas de personnes décédées, et ben, c'est trop tard, malheureusement. Donc là, on est sur des cas en cours. On va dire, ben voilà, la justice est immédiatement saisie, c'est le juge qui parle, et elle va être rendue. Mais il y a le mec, il est blessé, l'autre, il est en train de se soigner, la femme, elle est en train d'être frappée. Ça peut être des violences conjugales, par exemple. Le mec, il dit l'autre, il fait glou, 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 et la femme, elle, aïe, ouch. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Il ne peut pas y avoir de prétendue justice tant que des victimes sont toujours en train de subir une violence ou un danger. Ça, il faut se le mettre dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut stopper le crime ou l'action criminelle, il faut stopper le danger, et ensuite, la justice, elle rendra son verdict 2 ans, 3 ans plus tard. Mais il ne faut pas confondre les deux choses. C'est pas parce qu'on demande à un policier d'intervenir ou à un juge ou quoi que on va demander l'arrêt du crime en cours. Donc les personnes qui vous diront d'aller devant la justice, par exemple, en se contentant d'une simple plainte ou d'une main courante, alors que vous continuez à être victime, ben malheureusement, moi je dis que ce sont soit des escrocs, soit des incompétents. Les incompétents, les lâches rentrent dedans. C'est-à-dire que la personne qui est lâche ou qui veut pas travailler, il n'a pas la force en lui d'agir. Il est incompétent.
Là aussi, qui va décider si vous êtes vous qui décide si vous êtes victime d'un crime ou d'un délit en cours? Eh bien, c'est vous. Et uniquement vous. C'est vous qui savez si on est en train de s'en prendre à vous ou non. Voilà. On peut vérifier la jurisprudence qui est liée à l'article 223-6 du Code pénal. Alors, la jurisprudence, en résumé, c'est plusieurs décisions pénales qui sont venues confirmer et préciser des petites conditions d'application de texte. Voilà. Et vous le reconnaissez dans ces gros livres rouges. Donc, je vous invite à le lire. Je répète que je ne suis pas avocat. Par contre, ces bouquins, je les lis. Peut-être un peu plus souvent que ce que d'autres personnes devraient faire. Qui sont avocats ou juges ou policiers ou etc. ou magistrats. Donc il n'y a pas beaucoup de pages. Dans ce gros livre, vous allez dans une bibliothèque, vous le prenez, il n'y a que 5-8 pages à lire concernant l'article 223-6 du Code pénal qui traite de l'assistance à personne en danger. C'est très instructif. Voilà. Alors, que vient confirmer la jurisprudence? La jurisprudence, déjà, elle précise que ce n'est pas la personne qui est censée aider ou de confirmer ou d'infirmer si la victime elle a besoin d'aide. Donc ça, je vais reformuler. Quand on vous appelle à l'aide, vous devez agir sans vous poser de questions. C'est-à-dire, ce n'est pas à vous de réfléchir. Ah ben non, il peut s'en sortir ou non. Exemple. Tu n'as pas besoin de mon aide, garde ta tête hors de l'eau et tu vas flotter. Et le mec, il s'en va. Non, non, non. Et le mec est coupable parce que la jurisprudence l'oblige à aider systématiquement. Ou l'autre, il va dire, je ne vois pas de sang dans cet accident, donc c'est pas grave, je m'en vais. Non, non, tu ne t'en vas pas, t'es coupable. Ou une autre fois, il va dire, ah ben non, il y a un homme et une femme qui se disputent, je ne dois pas aider parce que c'est une dispute conjugale. Dispute conjugale, ça m'étonnerait. Enfin, et même dans une dispute conjugale, il ne doit pas y en avoir. Donc, celui qui décide, ce n'est pas la personne qui doit aider. Celui qui décide, c'est la victime. Et ça, gardez, si vous êtes victime vous-même, ne tombez pas dans le piège d'écouter les autres qui vont vous dire non, t'es pas victime ou quoi. Non, c'est vous savez si vous êtes victime ou si vous ne l'êtes pas. C'est très important. Et j'insiste aussi sur le délit en cours. En revanche, qui décide s'il y a une victime, donc ça c'est la nuance, la différence, qui décide s'il y a une victime d'un crime ou d'un délit passé? Donc là, ça va être le tribunal. Là, ça va être le juge qui va dire oui, vous êtes victime ou vous avez été victime. Mais il faut que ce soit passé, que ce ne soit plus en cours. En cours, c'est vous qui décidez. Même un juge ne pourra pas dire vous n'êtes pas victime. Un juge pourra dire plus tard, vous n'avez pas été victime dans des années, mais vous vous en foutez, si vous avez eu un accident, vous serez content de vous en sortir. Donc un tribunal, cette fois, il va décider, lorsque la victime ne demande plus l'arrêt d'un crime ou d'un délit contre elle, mais qu'elle demande des réparations. Donc là, le tribunal va dire, oui, vous pouvez avoir des réparations parce que vous avez été victime, ou non, vous n'aurez pas de réparation parce que vous n'étiez pas victime. Et vous pouvez être condamné si vous n'étiez pas victime et que vous avez inventé ça. Donc la jurisprudence va aborder d'autres points, et on peut en citer 4 qui peuvent être utiles. Donc l'aide à apporter doit être immédiate. La victime peut se tromper, ça aussi, elle peut avoir une mauvaise estimation du danger, mais il faut l'aider quand même, parce que parfois elle sera plus en danger que ce qu'elle croit, elle va dire « oh non, c'est pas grave, mais vous devez quand même l'aider, même si elle vous a pas appelé à l'aide », et puis d'autres fois, elle va se croire en danger, mais il faut quand même l'aider, même si elle s'en sort. La jurisprudence insiste pour dire « on ne regarde pas si plus tard la victime s'en est sortie ou s'en est pas sortie ». C'est-à-dire, ce qu'on regarde, c'est si au moment où vous êtes appelé ou au moment où vous devez apporter l'aide, est-ce que vous le faites, oui ou non? Donc la victime peut se tromper, mais il faut l'aider quand même. L'aide doit être efficace. Il ne faut pas se contenter de quelques demi-mesures. Il faut que vous apportiez l'aide, vous regardez si ça marche. Si ça ne marche pas, vous rapportez à nouveau de l'aide. Vous ne faites pas l'erreur que de l'autre a dit « Ah ben j'ai téléphoné au secours, je suis parti ». Non, 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 non. Tu téléphones au secours, tu attends, tu regardes que ça va bien, une fois que ça va bien, tu t'en vas. Et puis, il y a ce qu'on appelle une infraction instantanée. Ce qu'on appelle une infraction instantanée, c'est qui a lieu à un moment T et qui peut se répéter plus tard. Par exemple, quand vous refusez d'aider quelqu'un, ça va être au moment du refus, mais si la personne, par exemple dans le cadre de violence conjugale, vous êtes le voisin, vous savez que la personne est en danger, elle va vous appeler à l'aide un jour, vous lui refusez l'aide. Vous êtes coupable de ce moment-là. Le lendemain, elle vous rappelle à nouveau à l'aide, et bien c'est une deuxième infraction que vous allez faire si vous refusez. Si vous changez d'avis, vous l'aidez, tant mieux. Mais ça n'effacera pas l'infraction que vous avez faite précédemment. Donc c'est une notion d'instantané. Donc la jurisprudence est quand même assez sévère dans les cas de refus. C'est-à-dire que même si vous réfléchissez que vous changez d'avis,
eh ben, y a le côté d'instantané qui n'a pas marché. Ensuite, alors ça c'est le point essentiel, on ne peut pas dire, il ne peut pas y avoir de justice s'il y a toujours une infraction en cours. Ce n'est pas logique. C'est-à-dire qu'un juge qui va être saisi ne va pas pouvoir dire qu'il va rendre la justice s'il sait que la personne, elle est toujours victime. Mais c'est dingue. C'est-à-dire que la personne, il ne doit plus y avoir de victime en droit français. On ne peut pas dire « je suis victime en cours ». Pardon, il ne peut plus y avoir de victime en cours. Un juge ne peut pas, un juge, un magistrat, un procureur, même un policier, même n'importe qui, même un avocat, ne peuvent pas dire oui, on va vous rendre justice, mais vous continuez à l'image que qu'il y avait à couler, l'autre il fait glou glou glou, l'autre il fait il agonise devant sa voiture, ou la femme ouch aïe, elle se fait frapper. Donc non, il ne ça c'est un point très important. Alors, cette vidéo, elle s'adresse aux victimes, essentiellement. Ce n'est pas concevable, dans un état de droit, que des personnes continuent à être victimes d'actes criminels ou de délits en cours. Ça, j'insiste, je me mets en colère. Non. Donc, les avocats, les magistrats, les policiers qui laissent des actes perdurer, ils sont coupables. Et j'insiste sur le mot, ils sont coupables. Ils sont coupables au minimum du délit de refus d'assistance qui est réprimé par les dispositions, on l'a vu, de l'article 223-6 du Code pénal, première alinéa. On ne peut pas imaginer que des gens qui ont dit « oui, moi je vais faire une carrière d'avocat pour défendre les gens », lorsqu'on leur demande de l'aide en disant « oui, aidez-moi », ils disent « ah non, je vous laisse victime ». C'est-à-dire qu'ils commettent, ces avocats, ces magistrats, ces juges, commettent une infraction. Voilà, donc les temps ont changé, notamment ces dernières années. Donc jusqu'à présent, il y avait malheureusement toujours des victimes, alors on espère pas très nombreuses, mais par exemple des cas de violence conjugale, etc. Donc rappelons quand même qu'il y a une femme qui meurt tous les 3-4 jours pour les coups de son compagnon. C'est valable aussi pour des hommes. Il y a des hommes qui meurent tous les 15 à 20 jours parce qu'ils ont une compagne violente. Donc c'est des cas de personnes qui sont en danger, qui sont victimes. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il faut arrêter de faire des mains courantes. J'allais dire vous en faites une ou deux, mais quand les violences continuent, vous êtes victime. Vous devez trouver autre chose. Donc vous devez agir. Vous devez aller voir, par exemple, vous devez demander de l'aide à ce qu'on vous sorte de cette situation. Donc là vous aurez par exemple des avocats, mais ils vont devoir vous aider. Ensuite, il va y avoir des cas, j'allais dire, classiques. Alors, là aussi, l'aide à personne en danger, lorsque ça touche le physique de la personne, c'est bon, ça marche. Par contre, si c'est que de l'argent, ça ne marche pas. Donc là, c'est des cas de victimes, j'allais dire, ordinaires. Moi-même, je suis en exil parce que des policiers ont fait des faux documents avec des psychiatres, voilà. Je parle pas de mon cas, je veux parler d'autres personnes. Donc, il existe des gens qui sont victimes en cours, parce que moi, je suis en cours. Pourquoi je suis en exil? Parce que si je rentre en France avec les faux documents, ils m'arrêtent, ils me mettent en prison ou en psychiatrie. Je n'ai jamais vu de psychiatre, mais ces gens-là, ces policiers, ils ont fait faire des faux documents à des psychiatres pour me déclarer fou. Voilà. Je suis un cas parmi d'autres. Il y a d'autres situations qui sont pires. Il y a ce qu'on appelle les individus ciblés par du harcèlement électromagnétique ou de la torture électromagnétique. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est quelque chose qui est horrible. On appelle ça individu ciblé ou en anglais targeted individuals. C'est vous prenez un micro-ondes, le micro-ondes il chauffe à l'intérieur avec des ondes, mais vous le trafiquez, vous faites sortir les ondes et vous visez les gens, vous visez votre voisin à travers les murs, vous visez tout ça. Et des gens ils se retrouvent brûlés, alors petit à petit, et on n'a pas les preuves parce que ce n'est pas. C'est invisible les ondes. Donc ces gens-là sont malheureusement relativement nombreux. Je dis relativement parce que c'est tellement horrible qu'il faudrait l'arrêter, mais ça continue. Et ça se fait dans l'indifférence plutôt générale. Quelques personnes, quand ils se mettent au courant, quand ils sont au courant de ça, vont le dénoncer, mais c'est assez limité. Et voir des avocats. On va voir, c'est le but de cette vidéo, que vous ne pouvez pas rester victime indéfiniment. Il va falloir faire autre chose et on va trouver les solutions. Elles y sont. je rigole, c'est triste votre situation, mais je rigole parce qu'on va trouver des solutions. Vous allez sortir de ça, vous trouverez vous-même, vous trouverez de la force et vous trouverez des idées à la fin de cette vidéo.
Et puis, donc, quand les temps changent, ce qu'il y a, c'est quelque chose qui est assez récent, c'est après le Covid, l'État, le gouvernement s'est mis à exagérer et à rentrer peut-être dans une sorte de bras de fer avec certaines tranches de population, certaines parties de la population, et de plus en plus, ils ont augmenté. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à s'en prendre, donc ils ont déclaré que les vaccins, aujourd'hui on sait que ces vaccins ne fonctionnaient pas, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de résultats, et en plus ils sont dangereux parce qu'ils ont des effets secondaires qui sont parfois irrémédiables, il y a des morts, il y a tout ça. Alors que le vaccin ne protège pas, n'empêche pas la transmission du virus, aujourd'hui on le sait. Certaines personnes le savaient à l'époque, il y a un an ou un an et demi, on disait non, certains qui se renseignaient, ils savaient que ça marchait pas, donc ils ont refusé ce vaccin. C'est notamment dans le cadre des soignants. Mais il y avait l'État, le gouvernement a mis une obligation et on devait piquer les personnes pour leur injecter un produit dans le corps. Et là, on va tomber sur une atteinte à la personne. Ce n'est pas utile de savoir qui est à l'origine de l'escroquerie. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites « je suis victime, on veut me rentrer quelque chose dans mon corps ». Et là, il y a une atteinte à mon physique. Je peux avoir des effets secondaires, on va me piquer. Donc, vous rentrez dans le cadre de l'article 223-6 du code pénal. Et quand je disais « il y a des gens qui ont accepté d'être piqués », et qui peut-être après vont avoir des effets secondaires, eux ne sont plus victimes, ils ont accepté. Tandis que ceux qui ont refusé, eux, ils sont victimes en cours. Donc on a 15 000 victimes en cours à qui on met la pression, on dit « tu ne toucheras pas de salaire, tu ne travailles pas, tu n'es pas autorisé, tout ça, c'est pas bon ». Voilà, donc la nouveauté, c'est le grand nombre de personnes. Et ce qui s'est passé il y a un an, par exemple, un an et demi, ces soignants, avaient confiance en la justice. Donc nous, on est quelques personnes à savoir, non, là, il n'y a pas de justice en France, c'est un cirque, c'est un théâtre, je mets l'image, voilà, les avocats, ils dansent, ils se foutent de nous, enfin, certains, beaucoup se foutent de nous, ils nous font croire qu'il y a une justice alors qu'il n'y a pas de justice en France. Et ça, l'erreur est dans la tête de beaucoup de personnes, c'est-à-dire que en France, le système est fait tel que on peut avoir des juges honnêtes au premier niveau, mais plus on monte, dès qu'on va en appel, en cassation, ou pire dans le gouvernement, dans les instances Conseil supérieur de la magistrature, etc., plus on monte, plus on a de chances de tomber sur des personnes qui sont corrompues, qui magouillent, qui trafiquent. C'est-à-dire les vrais voyous, ils sont dans la hiérarchie. Plus on monte, plus on a ça. Et les gens qui croient en la justice, qui croyaient en la justice, ils se trompaient. C'est-à-dire, eux, ils disaient « Ah ben oui, le juge de premier degré m'a donné tort, mais je vais monter et je vais gagner. » Il y en a même qui disent « Ah ben, j'ai perdu devant la France, mais je vais aller devant la Cour européenne pour gagner. » Ben, excuse-moi, déjà la Cour européenne, t'auras le rendu dans 3-5 ans, donc peut-être même que tu auras atteint l'âge de la retraite. Donc ils n'auront même pas à obliger, puisque ton affaire va tomber à l'eau. D'autres sont plus jeunes, mais en tout cas, voilà, l'erreur est de croire qu'on a une justice en France. Ce n'est pas vrai. C'est le principe de cette vidéo. S'il y a des gens qui sont victimes en ce moment, il ne peut pas y avoir de justice. C'est très important de se mettre ça dans la tête. Et malheureusement, donc il y a un an, quand les soignants, par exemple, qui étaient licenciés, ont saisi des avocats, ils étaient sûrs, ils se disaient « je vais payer de l'argent, je vais gagner, je vais avoir des avocats qui vont marcher ». Ben non, tu peux avoir le meilleur avocat du monde, si le juge est corrompu, tu auras toujours perdu. Donc ce n'est pas bon. Et en plus, je répète, vous êtes des victimes en cours, mais vous ne le disiez pas. À l'époque, il y a un an et demi, vous étiez sûr de gagner. Aujourd'hui, c'est triste, mais vous déchantez un peu, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de justice, et vous vous dites, ben non, je ne paye plus d'avocat parce que je paye pour rien, c'est comme ça, et vous êtes défaitiste. Et on a gagné contre vous, vous continuez à rester victime, vous ne faites plus rien. Ce n'est pas bon. Vous devez avoir du sursaut. On y va, parce que là, on accuse les avocats d'être incompétents, c'est-à-dire de ne pas agir en fonction de cet article qui dit on doit aider les victimes en cours. Il ne peut pas y avoir de justice. Un juge ne peut pas rendre un jugement concernant la réintégration des soignants s'il ne réfléchit pas à
l'injection d'une seringue, une seringue qui rentre dans la peau et qui met un produit qu'on ne connaît pas. Et ça, ce n'est pas un juge qui n'a pas fait de médecine qui va le décider. Donc ça, c'est la première erreur. Donc les soignants, sur les 15 000, vous pouvez être plusieurs à réfléchir sur cette vidéo que je présente et dire « Mais non, mais maintenant, ok, ça fait un an que j'ai payé des avocats, ça fait un an que j'ai compris que ça marcherait pas, faites pas des pétitions, tout ça. Évitez aussi, alors là, ça me sort de la tête, il y a des avocats qui passent sur des plateaux télé, qui disent « Oui, je suis contre le vaccin », et ils font des associations, ils font du blabla, ils font tout ça. Mais regardez, est-ce que cet avocat a gagné des procès? Donc arrêtez d'écouter les avocats qui font du blabla. Et là, je vais passer à la... donc ça, c'est la théorie, vous dites « Ouais, 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 c'est bon ». Et j'arrive à la pratique. La pratique, j'ai écrit. La pratique, c'est comment se sortir de ça. Et l'erreur, elle est des avocats. Moi, ça, je maintiens qu'un avocat, vous allez voir un avocat, vous lui dites, ben voilà, aide-moi, tout ça, je suis victime. Parce qu'avant, vous devez le payer. Et on est dans le cadre du, on va prendre l'exemple du médecin qui est du secteur non conventionné, secteur 2, qui fait des excédents d'honoraires et qu'il faut payer plus cher. Donc, quand vous avez l'argent, vous le payez. Mais quand vous êtes victime, vous ne devriez pas payer l'avocat. L'avocat, il doit pas y avoir de victime en France, tout court. Donc quand une victime, il doit pas y avoir de victime en cours en France. Quand une victime va voir un avocat, l'avocat, normalement, il le prend gratuitement. Il va pas le prendre gratuitement. Je vous donne la réponse, c'est l'aide juridictionnelle qui paye. Soit l'aide juridictionnelle, soit les assurances. Mais vous avez zéro à débourser. Alors, bien sûr, l'avocat va vous dire, oui, mais moi, c'est difficile, il faut que je gagne mon argent, tout ça. Et donc, je prends plus cher. Et plusieurs d'entre vous se disent « Ah ben oui, si je paye l'avocat, je vais gagner ». Ça aussi, c'est une erreur de croire que parce que vous payez, vous aurez du service. Il y a des gens que vous allez payer une fortune, vous allez vous faire avoir. Pas tous. Il y a des avocats, ils font leur travail honnêtement, ça, il faut le dire. Mais d'autres, vous pouvez payer des services, vous pouvez payer cher, vous aurez un mauvais service. Et vous pouvez avoir l'aide juridictionnelle et avoir un très bon service. Je suis passé par l'aide juridictionnelle pour certains cas et j'ai eu de très bons services d'avocat pour d'autres choses que le fait d'être victime. Et dans l'aide juridictionnelle, c'est écrit. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de revenus. C'est-à-dire normalement, l'aide juridictionnelle, c'est ceux qui ont moins que le SMIC, moins que le RSA. Et vous pouvez avoir l'aide juridictionnelle et avoir un très bon service. Je suis passé par l'aide juridictionnelle pour certains cas et j'ai eu de très bons services d'avocat. Et dans l'aide juridictionnelle, il y a une case à cocher en disant dans le cadre de crimes graves, etc. Donc là, on rentre dans le cadre du 223-6, l'article 223-6. L'aide juridictionnelle, elle est attribuée systématiquement. Donc l'avocat, il prend votre dossier et il le traite. Alors, là aussi, on peut avoir tous les avocats. Il ne faut pas aller voir toujours le même avocat, mais il y a des avocats qui ont des tarifs, comme je reprends le parallèle avec le médecin conventionné. Donc lui, il exerce depuis longtemps, et l'avocat qui exerce, qui a une certaine connaissance du droit depuis longtemps, etc. Ok, il a des tarifs chers, mais vous avez des avocats qui arrivent, ils sont juste diplômés, ils ont été stagiaires, etc. Et ils sont bien contents de prendre une affaire, surtout pour aider une victime. Donc ne me dites pas qu'il faut payer tous les avocats chers. Non, il y a des avocats qui sont nouveaux, vous leur présentez un cas grave, par exemple contre l'État français, ça aussi, normalement, ils disent « Ok, c'est une bonne affaire, je vais faire ma renommée, je vais être connu. » L'avocat qui réussit à faire intégrer les soignants, moi je vous dis, il va être accepté, il aura du succès. Et malheureusement, les avocats ne comprennent pas ça, ou alors ils vont vouloir se faire payer plus cher. Et donc ça, c'est la théorie. Et maintenant, on va passer à la pratique. Donc moi, j'ai dit que j'étais victime, et je ne vais pas hésiter à mentionner le nom d'une dizaine d'avocats qui sont mauvais dans mon affaire. Et ils sont, et j'insiste, ils sont coupables. Et c'est ça qu'il faut leur faire comprendre. C'est-à-dire que eux, ils disent non, j'ai pas envie de regarder ça, j'ai pas envie, surtout par exemple pour les individus ciblés, c'est pas mon cas, mais pour les non, ça je comprends pas, je prends pas. Excuse-moi, tu dois prendre. Et donc je vais citer des noms d'avocats. Donc Bernadette Bandler, Matteo Bonaglia,
Donc lui, il va rentrer dans le même cadre que le suivant, Juan Branco. J'ai appelé, j'ai demandé de l'aide à certains avocats. Quand je voyais dans mon affaire, par exemple, j'ai une affaire contre l'État français, c'est-à-dire il y a une organisation, une agence gouvernementale qui tend des pièges aux personnes, qui est à la place Vendôme, c'est-à-dire le ministère de la Justice, et ils sont en train de magouiller des pièges. Donc là, vous faites tomber au moins le ministre de la Justice, vous faites tomber peut-être le gouvernement, si ça va plus loin. Et c'est la même affaire que Fillon avec Pénélope, sauf que eux, ils étaient connus, c'est un politicien. Mais en fait, ils étendent leur dossier à énormément de personnes. Il y avait 50 000 personnes comme moi qui étaient fichées et contre lesquelles on tend des pièges. Donc ça, la personne qui prend mon dossier, elle fait tomber pas mal de monde. Et quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des avocats qui sont montés au credo, qui disaient oui, on est bien, et Juan Branco en est un. Donc je m'étais dit, tiens, lui, il veut quelque chose, ben, je lui donne mon affaire. Mais non, il répond pas. Et donc il est coupable parce qu'il reçoit le dossier, mais il dit non, je vais pas traiter. Quand les gens sont connus, pourquoi je passe par lui? Parce que lui ou d'autres, vous-même, quand vous êtes malade, vous allez voir un spécialiste. Si vous avez un problème, par exemple, avec des policiers ou des juges, vous n'allez pas voir des avocats qui sont spécialisés pour défendre des policiers. Ça, vous le voyez, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, il y a un avocat, un ancien député, qui était Front National, qui était pour la défense des policiers. Je vais pas aller le voir, je suis pas fou. Donc je vais plutôt aller voir des gens plutôt à gauche, en me disant, tiens, eux, ils vont défendre les citoyens, plutôt que défendre des policiers. Il faut de tout, il faut des avocats qui défendent des policiers, des avocats qui défendent des citoyens. Mais voilà. Et donc, Juan Branco, il aurait pu me dire, ok, parce que lui et d'autres, il faut pas croire qu'ils travaillent tout seuls sur le dossier. Ils ont des collaborateurs, tout ça, et ils donnent le dossier à d'autres. Et lui, quand il voit mon dossier arriver, il s'est dit, ok, j'ai pas le temps, et en plus, c'est pas mon tarif, parce que lui, il prend cher. Sauf quand il veut faire de la pub pour lui à la télé, il va le donner à un autre. C'est-à-dire que quand vous allez voir un avocat et que l'avocat, ce n'est pas son tarif, il n'a pas envie d'avoir ça, c'est lui qui doit contacter d'autres collègues à lui. Les avocats se connaissent entre eux, ils assistent à des audiences, ils savent qui défend bien, qui défend pas bien, quand ils vont passer plein d'affaires, parce que lors des audiences, ils sont une dizaine d'avocats à assister à l'affaire. Donc ils se connaissent entre vous, le simple individu, vous ne connaissez pas les avocats, mais eux se connaissent. Donc quand il y en a un à qui vous dites le dossier, il doit faire ce que aurait dû faire n'importe qui, par exemple le médecin qui est conventionné ou un autre qui va dire je transmets le dossier à quelqu'un d'autre. L'avocat doit transmettre le dossier à, par exemple, un jeune avocat qui vient de démarrer en lui disant tiens, voilà, ici tu as une affaire, tu peux marcher, et en plus si tu as besoin d'un coup de main, je te donne un coup de main. Donc voilà. Mais ces gens-là, Ron Branco et d'autres, le prochain Régis de Castelnau, voilà, c'est des gens auxquels on se dit tiens, c'est bien, ils vont nous aider, mais non. Eux, ils veulent la lumière des caméras. Et c'est pour ça que, quand je disais les temps changent, c'est que maintenant, quand on peut donner le nom de ces avocats qui sont coupables, parce que là, je donne le nom des coupables, je termine la liste. Donc, Juan Branco, coupable. Régis de Castelnau, coupable. Marie-Cécile de la Chapelle. Frédéric de la Méa. Claudie Hubert. Claudie Hubert, c'est une avocate que je voyais depuis longtemps à Aix, donc pour moi c'était ma seule avocate, mais elle m'a pas aidé. Et dernièrement, rien, elle a balancé mon dossier. Et cette femme, je pensais qu'elle était bien, mais je crois qu'elle est correspondante LFI, la France Insoumise, pour Aix-en-Provence. Et bien voilà, on croit que certains partis vont vous aider. Mais non, eux, il y a quelque chose qui cloche derrière. Donc ne faites pas confiance à la politique. N'allez pas voir les uns les autres. Ils sont tous pareils. Vous aurez des incompétents pareils, des coupables pareils. Et ces gens-là, cet avocat est coupable de ne pas m'avoir aidé. Alors que je suis toujours en besoin. Tant que je suis réfugié à l'étranger, je suis victime en cours. Moi et d'autres, tant que vous êtes 15 000 soignants non intégrés, vous êtes victime en cours. Karine Levesque, la suivante. Alors, elle, méfiance, parce qu'elle a été attribuée par l'aide juridictionnelle. Donc, c'est le barreau de Versailles. Et le barreau de Versailles, il faut savoir qu'ils se mettent un logo. Regardez bien le V
de Versailles, eh ben, regardez l'ombre derrière, il y a trois ombres au lieu de deux. C'est un symbole caché de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons, c'est trois points, ils ont fait trois traits pour pas faire trop flagrant. Ou alors, ils ont fait deux traits qui sont il y a le compas et l'équerre qui sont des symboles. Et le fil à plomb au milieu. Voilà. Donc là, une image de fil à plomb inversé. Donc, Karine Levesque, coupable. Roselyne Maloko, ben, elle m'a bien aidé dans une affaire prud'homale, mais elle a été coupable parce qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle sait que je suis en danger, mais elle n'agit pas. Elle est coupable du délit de refus d'assistance. Guillaume Metz, Nicolas Milanini, Aubéry Salecroix. Aubéry Salecroix. Alors, elle, ça, je vais encore faire une parenthèse. Au moment donc des Gilets jaunes, il y a eu des avocats qui disaient « Oui, oui, on va vous aider gratuitement ». Donc moi, à l'époque, je cherchais donc un avocat pour m'en sortir, avant de fuir, parce que j'ai fui la France, parce que je ne trouvais pas d'avocat. C'est quand même grave. C'est-à-dire que je savais que les policiers avaient fait des faux documents. Si j'avais eu un avocat qui disait « Ok, voilà, ça c'est des faux, on les fait sauter », je suis innocent. Mais non, l'avocate, donc celle-ci, c'était une avocate des Gilets jaunes, je me disais, elle va aider les citoyens contre l'État. Et en fait, malheureusement, c'est comme ce qui se passe avec, par exemple, dans des manifestations, il y a des policiers qui se mettent en civil, qui se font passer pour des casseurs dans des manifs, ils cassent. Et ils portent du tort à la manif. Et ben donc c'est des policiers qui sont des faux manifestants. Et ben de la même façon, il y a des avocats que j'appellerai des faux avocats qui vont dire oui, on va défendre les gilets jaunes. Et cette femme est une ordure. Donc je redonne son nom. Aubéry Salecroix, et elle est aidée de la suivante qui est Julie Mulateri. Donc les deux c'est des je dirais. Ce qu'elles ont fait, c'est de la pourriture. C'est-à-dire qu'elles prennent les dossiers des gilets jaunes pour les pourrir. Je vais rappeler le chiffre des gilets jaunes. Il y a eu 4000 condamnations à de la prison. Donc, il y a eu du sursis. Il y a eu 1000... Non, dans les 4000, il y en a eu 1000 condamnations à de la prison ferme. Et dans ces 1000 de la prison ferme, il y en a eu 400. C'est énorme, 400 sur toute la France. 400 personnes. 400 gilets jaunes qui ont été emprisonnés avec mandat de dépôt. C'est-à-dire que tout de suite, on te prend, on te met en prison. On libère quelqu'un de droit commun, c'est-à-dire un petit voleur, un truc comme ça, on le met dehors et on va mettre un gilet jaune à la place. 400. Et pourquoi ils ont été emprisonnés comme ça? Parce qu'il y a eu des pourritures d'avocats. Comme Aubéry Salecroix, à Aix-en-Provence, ou sa comparse Julie Mulateri, qui faisait semblant d'aider les gilets jaunes et qui, en réalité, pourrissait leur dossier pour les faire condamner. Alors, ces condamnations, parce qu'après, avec le parquet, eh ben, il s'arrange, parce que le parquet, il a pour ordre, pour instruction de la part du ministre de la Justice, de condamner des gilets jaunes, donc voilà. Et puis, sur d'autres affaires, c'est du magouille. Le suivant. Julien Occipinti, Jocelyn Pesquita, Jean-Pierre Reine. Voilà, donc ça, c'est une liste de quelques-uns. Ce sont des avocats qui sont coupables, et je le dis moi-même. Et ça, c'est l'exemple que je veux montrer. C'est-à-dire que j'ai parlé de la théorie de la culpabilité de la non-assistance à la personne en danger. Et, et la pratique, c'est je donne le nom. Et ça, c'est nouveau. Quand je disais, il y a quelque chose qui est nouveau. Les Français ont gagné, par exemple, il y a 200 ans, un peu plus de 200 ans, on a eu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout ça. On a eu des avancées, on a eu notre république, tout ça. Et puis, après, ça a stagné. Et puis, il y a eu Internet récemment. Mais par exemple, il y a 5-10 ans, là, on va s'en sortir. Mais il y a 5-10 ans, on ne pouvait pas faire. On aurait fait un blog, on aurait fait... un article qu'on aurait transmis à un cercle proche de nous sur, par exemple, avec nos adresses mail, mais c'était pas forcément des gens intéressés. Donc ils auraient été, si, un peu intéressés, mais sans plus. Et là, ce qui est tout nouveau depuis 2-3 ans ou 5 ans, c'est qu'on a d'autres réseaux qui commencent, des réseaux sociaux qui commencent à évoluer. Donc Facebook, faut oublier tout ça. Mais il y en a d'autres, par exemple, il y a Telegram, les gens vont se mettre sur ces réseaux, il y a Twitter, c'est discutable, mais pourquoi pas. Et là, on va commencer à faire de la pub en disant, ben voilà, là, il y a des avocats qui sont coupables, parce que je répète, quand vous êtes victime en cours, vous avez le droit de dire que la personne est coupable. C'est quand le crime est arrêté, par exemple, on vous arrache un téléphone ou un sac à main, vous dites au voleur, vous dites pas au prétendu voleur, ah, je crois qu'on m'a volé.
Ah non, tu crois ou tu sais quand t'as volé ou tu sais pas quand t'as volé. Donc oui, quand c'est en cours, vous appelez, vous dites la personne est coupable. Ensuite, on arrête le prétendu coupable, on fait une petite enquête, on va voir. Et puis donc le crime s'arrête, le délit s'arrête pour des agressions, par exemple. Et ensuite, on va mettre 2 ans, 3 ans. Et pendant cette période de 2 ans, 3 ans, vous n'avez plus le droit de traiter les gens de coupables. Là, vous dites c'est le prétendu, donc les personnes sont prétendues innocentes. Jusqu'à ce que un jugement tombe. Mais tant que c'est en cours, vous avez le droit de dire que les gens sont coupables. Donc moi, là, c'est 10 noms, c'est 10, 12 noms. Ces gens, je dis qu'ils sont coupables d'une infraction qu'ils ont commise et qui, donc c'est une infraction instantanée. Et je leur donne la possibilité, sur les 10 ou 12, là, de certains, de changer d'avis et de dire, OK, monsieur Aubert, on prend votre dossier, et on va le traiter. Je pense par exemple à Juan Branco, alors pas lui forcément, mais qui le passe à d'autres, peu importe. Et là, quand ça va marcher, vous allez faire pareil, par exemple les suspendus. Vous, donnez le nom des avocats qui vous refusent. Vous allez le voir, vous dites, moi, à l'aide, j'arrête de payer. Vous prenez l'aide juridictionnelle, c'est gratuit, pour moi, je vous paye zéro, et vous sortez de là, je suis victime en cours. Et vous vous fâchez. Les parents, à qui, si jamais ils remettent les masques, vous prenez un avocat, vous dites, voilà, moi, mon fils, ma fille, il est en train de... On lui remet des masques, ce n'est pas bon. Il est victime d'une affaire maintenant. Vous le sortez d'affaire tout de suite. Et sinon, je balance vos noms. Et je vous accuse publiquement de refus d'assistance. Voilà. Alors, pour terminer, le but de cette punition de prison, cette peine de prison ou d'infraction ou d'amende, n'est pas de punir les gens plus tard, de dire « Ok, vous avez commis le délit de non-assistance à personne qui demandait de l'aide. » C'est de d'éveiller chez les gens l'idée qu'ils doivent maintenant aider. Donc le but n'est pas de punir plus loin. Moi, je préfère qu'il n'y ait personne qui soit puni, mais que tout de suite, vous nous aidez tous. C'est-à-dire que toutes les victimes soient aidées et sortent. Et il ne doit plus y avoir de victimes en cours. Voilà. Donc, merci pour l'attention. J'espère que ça va vous donner de bonnes idées pour gagner. Et à bientôt. Au revoir.